À la fonderie, je travaille beaucoup là-bas. C'est un peu comme dans le cinéma, on attend beaucoup. Et pendant que les grosses pièces étaient en train de se faire, j'en profitais pour faire des choses pour moi. Des coupes, des chandeliers, des lampes, des sculptures au fond qui portaient le même goût panthéiste, mais qui en plus avaient un usage, des sortes de sculptures du quotidien. Et j'aimais l'idée qu'elles m'entourent et qu'elles aient une fonction. Et puis de fil en aiguille, autour de moi on s'y est intéressé, et puis les choses ont... On m'a engagé à en faire d'autres, plus grandes, plus fortes, des lampadaires, des... Je me suis pris au jeu et j'adore en fait, pour moi c'est une célébration panthéiste. Je dis mon addiction, on pourrait presque le dire comme ça, aux forces de la nature. Et c'est une manière de célébration que de l'incarner dans des objets, singulièrement pour des coupes qui vont porter des fruits et des chandeliers ou des candélabres qui vont éclairer des conversations, des dîners, la vie. C'est une participation, au fond, ces objets, au plaisir de vivre.